Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve sur la chinoise, sur la version chinoise de My Hero Academia The Strongest Hero. Et suite à une maintenance qui a duré plusieurs heures hier et qui a été prolongée, ils ont décidé de nous offrir une trentaine de tickets pour le portail de cartes Future Aizawa qui est revenu aujourd'hui et 15 tickets pour le portail Premium, celui qu'on voit tout le temps. Du coup, avec tous ces personnages. Du coup, on va partir sur une multi ici avec 5 singles. Et tout simplement, 3 multis sur ce petit personnage que je n'ai toujours pas réussi à maxer dans ces cartes, malheureusement. Du coup, on attend que ça charge tranquillement. Je vous invite tout simplement à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Et vu que ça a terminé de charger, on va directement partir invoquer d'abord, tout d'abord, sur le portail premium pour voir si on va avoir un peu de chance, dropper un petit doublon ou dropper tout simplement photo pour faire le petit showcase. Comme ça, j'ai toute la panoplie des personnages de ce portail. Des personnages S. Du coup, on va faire notre petite signature. 3, 2, 1, c'est parti. Une petite étoile comme d'habitude, on se casse pas la tête. Ok. Ah, pas fameux, pas fameux. Mais ça va, on a eu un petit fragment de Bakugo et de Shoto. Bon, après, c'est pas grand chose, mais c'est pas grave. Du coup, on continue avec les 5 petites singles. On va faire juste un trait parce que, dans tout cas, ça va pas changer grand chose. Ok, on a eu Mineta, malheureusement. Là, on va voir quoi. Ok, Tenya. Alors. Oh, ok. D'accord. On recommence. J'ai l'impression que plus c'est long, plus ça nous promet un truc. Ok, on va faire ça, ça et ça. Ok, un perso A, un fragment de Tenya encore. Et on va terminer sur ce petit truc. On s'en fout de la signature en vrai, hein. Ça remplit, c'est tout. Ok, ça charge. Ça charge, ça charge, ça charge. Enfin, ça charge. Petit lag, vu qu'on est sur les serveurs chinois, ça bug. Forcément. On attend. Je peux pas couper ce petit passage. Malheureusement, pas quand est-ce que ça va se remettre. Du coup, on n'a pas le choix. On est obligé de laisser. Et forcément, petit crash. Ah, malheureusement, avec le crash, on m'a considéré comme invocation faite. Du coup, je ne sais pas ce que j'ai drop. On va aller voir ça de suite. C'est un petit doublon d'un perso B ou d'un perso A. On va pas s'attendre à un tout simplement un gros personnage. On va vérifier. Non, ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné. Du coup, on va partir tout simplement recruter sur le portail de Aizawa sur les cartes compétences de Aizawa en espérant pouvoir drop cette carte là. C'est cool. Et du coup, 3, 2, 1, et c'est parti, petite multi. Après, on va partir sur une single. Du coup, pour remettre les trucs à zéro. Le maraboutage qu'on dit. Ok, nice. Non, pas nice. Pas nice. Oh, ça, c'est bon. Ça j'approuve. En vrai, c'est un bon tirage, mine de rien. Hein. Celle-là, je l'avais pas. Enfin, j'en avais déjà une. Ah bon. Ouais, ok. Ok. Du coup, petit L. Oh là là. Oh. Ok. En vrai, c'est correct, hein. Le taux drop, il est assez correct. Je me rappelle pas d'avoir eu cette lettre-là sur la bêta. Hein. N'oubliez pas que le taux de drop sur la bêta était à 1,2. Et ici, il est à, si je dis pas de bêtises. Le rate up est à 1% pour les cartes.
Ok, du coup, on part sur une petite single avant de repartir sur simplement. Ok, une petite multi et on va terminer sur ça. Ok, du coup, on va faire aller Aizawa, le A. Oh! Oh! Ça, c'est bon, ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Yes! Enfin, dans tous les cas, c'était sur l'appétit. Ah, j'étais déjà full sur l'appétit. Ah, je me suis pas rendu compte. Bah, dans tous les cas, c'est rentable. On va aller l'équiper. Du coup, on va mettre celle-là. De rien, il est assez bien équipé, le perso. Ok, du coup, je sais pas si je peux le up. Non, il me faut des doublons. Obligatoirement. Il me faut des doublons, ça va être un peu rude. Mais hein, mine de rien, j'ai des belles cartes. Pour le perso. Mais celle-là. Ok, nice. Du coup, je gagne le petit buff supplémentaire. Je vous dis ciao, à la prochaine et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur My Hero Academia, la version globale et quelques gameplays sur la version chinoise. Peace et à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao tout le monde.